l'Algérien qui a choqué Jules César. Son nom est Juba II. Au milieu d'une guerre opposant la Numidie à Rome, Juba II fut capturé par les troupes de Jules César. Une rencontre qui allait changer le destin de ces deux hommes. Jules César fut impressionné par l'intelligence et la culture de Juba. Alors, plutôt que de le garder en captivité, il décida de le libérer et de l'accueillir dans sa cour. Une amitié improbable se développa entre ces deux personnalités. Juba II, assoiffé de connaissances romaines, et Jules César, curieux des cultures étrangères, échangèrent leur savoir et découvrirent de nouvelles perspectives. Ensemble, ils explorèrent des domaines tels que la philosophie, l'histoire et la géographie. Juba II devint ensuite roi de Numidie sous la tutelle de Rome, gouvernant avec succès son royaume et mettant en pratique les connaissances acquises grâce à son amitié avec Jules César.